Toi, on me demande c'est quoi la maths. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo. Écoute bien, pense à t'abonner et à enregistrer cette vidéo si c'est intéressant. Il faut qu'on ait cette petite discussion. Vas-y, viens, rapproche-toi. En fait, la maths, c'est une divinité qui nous vient de l'Égypte, divinité égyptienne de l'ordre cosmique, de la justice, hein, souvent représentée par la balance de maths et la plume qui pèse le cœur des défunts pour savoir est-ce qu'ils passent dans les autres dimensions, est-ce qu'ils sortent du cycle de réincarnation. C'est la maths qui gère cela, qui va peser le poids de ton âme lorsque tu vas passer de l'autre côté et que Ngalufoi Anubis va venir te chercher. C'est donc d'une importance capitale. Ça représente aussi les 42 lois de la maths qu'on va afficher ici, qui est un socle qui permettait à nos ancêtres de bien vivre en communauté. Moi, je le vois comme ça. Ça donnait, hein, les 10 commandements et les forces de l'équilibre. C'est un peu comme dans Star Wars, hein, les Jedi versus les Sith. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, opposé à ça, on a 7. Il s'est fait aussi, hein, le chaos. Donc, c'est les forces de l'équilibre mat contre les forces du chaos, il s'est fait. Mais ces deux énergies, un peu comme le yin et le yang, c'est la même force. C'est la source. Les anciens croyaient en la source divine unique, l'unun, l'océan primordial, que dans la tradition ancienne on appelle Mawadambi. Donc c'est pas vraiment le mal ou le bien, c'est plus l'équilibre. Je me purifie, je monte en vibration, j'ascensionne. Le chaos, je baisse en vibration, je me fais envoûter, posséder. C'est la réincarnation qui t'attend. Voilà le système. Et si tu veux en savoir plus, j'ai créé une initiation offerte à la spiritualité matique. Le lien, il est en description ou en bio. Tu t'inscris et tu démarres ton aventure parce qu'on est sur Terre pour s'éveiller.